nous avons travaillé ensemble en coproduction avec le Jeu de Paume pour présenter finalement ce qui est la première véritable exposition constituée de vintage d'Eli Lothar. Vintage, il est porteur d'une sorte d'aura d'historicité. C'est ce que le photographe avait entre les mains, c'est ce qu'il a parfois donné à des amis, vendu à des collectionneurs. Et c'est pour ça que dans cette exposition, on a tenu absolument à présenter des vintage. Eli Lothar, c'est un photographe roumain qui arrive à Paris en 1924 et qui amène avec lui dans ses bagages un peu toute la culture de l'Europe centrale. Et notamment la façon dont l'Europe centrale a digéré, si j'ose dire, le constructivisme russe. Et je crois que Eli Lothar est un des représentants de cette nouvelle vision en Europe. On reconnaît tout de suite ces images, hein, on y retrouve un certain nombre des grands motifs de la nouvelle vision, les architectures de fer, le principe de la plongée, de la contre-plongée. La plongée, la contre-plongée, c'est quelque chose de tout à fait intéressant dans l'histoire de la photographie. C'est quelque chose qui vient finalement assez rapidement après qu'on ait enlevé l'appareil du pied. Et Lothar va beaucoup jouer de cela en basculant son appareil. Il va produire des images qui ont une certaine abstraction, mais qui conservent en même temps toujours quelque chose du sujet qu'il photographie. Il y a la ville, il y a Paris qu'on reconnaît dans ces images. Il faut savoir que les Roumains sont très présents à Paris, un grand réseau de culturel, notamment beaucoup d'artistes qui viennent du théâtre ou du spectacle, et notamment Roma Aron. Roma Aron est une chanteuse lyrique qui est proche des Delaunay et qui tient salon et qui est une grande amie de son père. Et c'est dans le salon de Roma Aron que Eli Lothar rencontre Germaine Krull. Et c'est de là que va naître d'abord leur relation sentimentale, et ensuite Germaine Krull va l'initier à la photographie. Il faut savoir qu'à l'époque, elle n'est pas encore la photographe moderniste telle qu'on la connaît. Elle a un studio de mode. C'est pour Lothar un moyen déjà de se familiariser à l'univers de la photographie. Les premières photographies d'Eli Lothar, en fait, elles sont faites bien sûr avec Germaine Krull. On pourrait les identifier et les dater de 1927. Et elles sont faites de l'appartement de cette chère Roma Aron. Donc ils prennent des photographies de haut. Très tôt, hein, ils vont sortir du studio pour aller dans la rue et photographier ensemble et initier un nouveau rapport à l'image et à la photographie. On peut dire que la relation entre Lothar et Germaine Krull dure, on va dire, 3 ans, entre 26 et 29. Et à partir de 29, Lothar prend son indépendance. Il va également se distinguer de Germaine Krull. Alors déjà par rapport à son intérêt pour le cinéma, qui fait qu'il a un rapport particulier à la photographie, peut-être beaucoup plus expérimental, beaucoup plus dans la recherche. Eli Lothar a certes fait quelques expositions de son vivant, mais il a finalement beaucoup plus publié dans la presse de l'époque. C'est une photographie qui cherche plutôt à produire des images fortes, à partir duquel plutôt le texte va s'écrire. La plus grande part de la production de photographie d'Eli Lothar se fait dans ce contexte de la presse de l'époque, une presse des années 20 et 30 qui est extrêmement inventive. Et Lothar produit ses photographies dans ce contexte. Ce qu'on découvre dans cette section de l'exposition, c'est l'aspect documentaire du travail de Lothar précisément. Et je pense que Les Abattoirs, c'est la série qui va marquer son goût pour le documentaire. On voit les personnes
active dans leur travail, les gestes du travail des abattoirs. Ces prises de vue et les cadrages font ressortir un aspect extrêmement graphique, très réaliste. La même année que Lothar photographie les abattoirs de la Villette, il va collaborer avec Jure Sievens sur un film qui s'appelle « Zaude Zeewerken », qui est en fait un film sur les méthodes de construction modernes des Néerlandais. Jure Sievens décide de mettre trois ou quatre caméramans tout autour du site, donc Lothar en est un. C'est une question de territoire qui est évoquée dans ce film et du coup ça va l'amener aussi à travailler sur d'autres films qui concernent le territoire et notamment le film Terre sans pain. C'est le seul film documentaire que Louise Buñuel ait fait de sa vie et donc là Lothar va être opérateur sur ce film. Ce qui est remarquable dans le film pour lequel il est reconnu en tant qu'auteur, en tant que réalisateur par la suite, c'est le film Aubervilliers qui fait en 1945 sur les taudis de la ville d'Aubervilliers qui lui a été commandé par le maire communiste Charles Tillon. Les gens qui habitent ces roulottes ne sont pas des nomades prêts à repartir sur les routes au hasard de leur fantaisie. Ce sont tout simplement des gens qui n'ont pas trouvé à loger ailleurs et qui vivent là. En attendant. Le scénario et les dialogues sont faits par Jacques Prévert et toute sa sensibilité, là aussi politique, engagée, ressortent dans ce film très poétique qui a été quand même reconnu dans le monde du cinéma du vivant de Lothar. Il est comme un petit rat d'Aubervilliers, comme la misère qui court les rues, les petites rues d'Aubervilliers. L'eau courante court sur le pavé d'Aubervilliers. Elle se dépêche, elle est pressée. On dirait qu'elle veut échapper à Aubervilliers. Lothar a côtoyé Jacques-André Boiffard, Artaud, Vitrac et d'autres figures du surréalisme historique avec lequel il s'est engagé dans des projets collaboratifs. Antonin Artaud et Vitrac demandent de l'aide à Élie Lothar pour réaliser une brochure manifeste qui permettrait en fait de relancer le théâtre Alfred Jarry. Il intervient en photographiant Antonin Artaud, Roger Vitrac et leur amie Josette Luçon. Et chacune des petites scénettes photographiées vont être recomposées dans de grands photomontages que Lothar va constituer. Lothar était continuellement entouré par des artistes, par des auteurs, par des cinéastes. Sa sensibilité artistique est absolument évidente dans tous ses projets. Entre 1963-64, Lothar photographie quasiment plus. Du moins n'a plus du tout de commandes, n'a plus beaucoup de projets cinématographiques et il se réfugie dans l'atelier de Giacometti pour des séances quotidiennes pendant des heures et des heures où Lothar photographie Giacometti au travail et Giacometti sculpte Lothar. Il y a chez Lothar un regard, une capacité à composer ces images qui est de toute première qualité. Et il y a, je dirais, peut-être en plus, toujours une petite touche d'inquiétante étrangeté dans les photographies d'Élie Lothar. Et il a une façon de se poser devant son sujet, de le cadrer, de lui donner vie avec parfois une forme de vibration dans l'image, même si la photographie est nette, il y a quelque chose qui vibre et qui en tout cas moi me fait vibrer.